Là, ça n'a pas été Frédéric l'éditeur, c'était Frédéric le parfumeur. Voilà. Donc on a travaillé ensemble, on s'est vu pas mal de fois entre Paris et New York, et puis on faisait des essais comme ça, voyez, c'était bien. Bon, il y avait quelques ingrédients qui étaient un petit peu incontournables, comme des produits comme le cachemire, des choses comme ça. Et puis on a créé bien ensemble la base. Hein, c'est, on dira, c'est la partie intime de dans tes bras, c'est le confort, c'est peut-être la poitrine de la femme, c'est toute la douceur, c'est voilà. Quels ingrédients? Ben, c'est beaucoup de muscles aussi, là. C'est plus musqué encore que le muscle ravageur. C'est très confortable, c'est ambré. Et puis après, bon, il y avait l'appel, les bras ouverts, d'une certaine manière, mais enfin, c'est lui qui a appelé dans tes bras après. Hein. J'ai eu l'idée de mettre un truc très, comment dire, qui jaillit du cœur, comme ça, il y a ce cœur, comme ça. Et c'est une espèce de note un peu verte-violette, et c'est ce qui fait un peu la signature et l'ouverture des bras. J'adore le cachemiran, mais bon, Frédéric aime beaucoup le cachemiran pour, comme son nom l'indique, qui est très confortable. C'est un produit qui est à la fois travaillant de tête, de cœur et de fond. C'est boisé, c'est musqué. Il y a une espèce de fraîcheur, comment dire, en top note qui est un petit peu pour moi un peu silex, mais c'est pas agressif et c'est quelque chose de très confortable. C'est pour ça qu'on l'appelle cachemiran. Donc, c'est la matière première idéale presque. Bon, le problème c'est qu'il coûte un peu cher, mais enfin par ça. Je suis fier de dans tes bras, d'une certaine manière peut-être plus que Muscle Ravageur, parce que c'est d'abord c'était fait pour Frédéric, ça n'a pas été édité simplement que par Frédéric. On l'a fait ensemble, donc c'est toujours plaisant. J'aime pas travailler tout seul dans mon coin comme ça, je trouve ça idiot. Un parfum c'est un bébé, ça se fait à deux. Il y a une vraie idée, il n'y a pas quelque chose, pas, je vois rien sur le marché qui pourrait de près ou de loin lui ressembler. Et puis c'est un truc, quand quelqu'un le porte, c'est incroyable. Il y a une signature, il y a une puissance. Quelqu'un qui prend dans tes bras, je le repère immédiatement.